encore d'inaugurer aujourd'hui, en présence des autorités locales, un grand hôpital privé dans la ville d'El Jadida, qui manquait de certaines, c'est une ville, des régions qui manquaient d'une certaine, de certain nombre de spécialités qui obligeaient la population de se déplacer vers Casablanca pour se faire traiter. Parmi ces spécialités, les maladies cancéreuses, les maladies cardiovasculaires et les maladies, plutôt les malades qui souffrent, qui nécessitent des prises en charge au niveau de la réanimation d'un haut niveau. Et apparemment, il y a même une réanimation néonatale avec 10 couveuses permettant de prendre en charge les bébés prématurés qui, dans le transport, le déplacement, risquent de compliquer leur situation. Donc avec l'ouverture de cet hôpital, alhamdoulilah, on va offrir à la population un plateau technique de très haut niveau qui n'a rien à envier au plateau technique dans des pays développés comme en Europe. Donc le groupe il est très fier de cette réalisation qui nous a coûté quand même la bagatelle somme de 220 millions de dirhams, mais quand même qui va permettre à la population de bénéficier d'un certain niveau de soins, j'espère à la hauteur de la confiance et des attentes de la population de la région d'El Jadida. Aujourd'hui, on a procédé à l'inauguration de la clinique privée d'El Jadida. Cette clinique, ce projet qui est considéré comme un atout pour la ville et qui va permettre d'alléger la pression sur les établissements de santé publique ici à El Jadida, notamment le centre hospitalier d'El Jadida. Et bien sûr, c'est un atout qui va permettre de fournir des prestations de qualité et disponibles et continues pour le citoyen jadidier et de Calais en général. Bien sûr, ça rentre dans le cadre de partenariat public-privé qui va permettre de prodiguer des soins de qualité pour la ville. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.